Les positions entre le général Rondeau et Dominique de Villepin n'étaient pas éloignées, bien au contraire. Vous aurez noté d'ailleurs qu'à la fin de la confrontation, l'un et l'autre se sont serrés la main. J'avais trouvé que le général Rondeau avait réussi avec succès ses écrits, et il me semble qu'il a bien réussi l'oral. Il a dit, s'agissant d'Imad Laoud, qu'en tout état de cause, il ne l'avait jamais vu falsifier et qu'il ne l'avait jamais vu remettre des documents à Jean-Louis Jargorin. C'est pour nous quelque chose d'important, parce que même s'il y a une construction intellectuelle qui se fait autour d'Imad Laoud comme le falsificateur, les preuves, et notamment le témoignage du général Rondeau, ne viennent pas dans ce sens. Continuez. C'est plus foutu.